Aujourd'hui, je suis emballé de vous parler d'un véhicule mythique, la Toyota Corolla. Lancée sur le marché en 1966 et vendue depuis à plus de 46 millions d'exemplaires, elle s'est vite positionnée comme la voiture pour tous. Aujourd'hui, je vous présente trois modèles Corolla. La Corolla Hatchback, la Corolla Hybride, mais on va surtout se concentrer sur un modèle qui me fait vraiment triper, la Corolla S édition Nightshade. Alors, pour la Corolla Hatchback, sous le capot, un moteur de 2 litres développant 169 chevaux, jumelé à une transmission automatique direct shift. Fait important, la Corolla Hatchback est un des seuls véhicules actuellement encore sur le marché à pouvoir être commandé avec une transmission manuelle intelligente. En plus de son look dynamique, la Corolla Hatchback offre un espace de chargement impressionnant. Avec la Corolla hybride, un moteur 1,8 litres combiné à un système hybride permettant une économie d'essence jusqu'à 4,5 litres au 100. Autre avantage, le faible coût d'entretien et la douceur de roulement. On pourrait penser, dans le cas d'un véhicule hybride, qu'en raison de la grosseur de la batterie, on pourrait perdre de l'espace de chargement. Dans le cas de la Corolla, croyez-le ou non, c'est pas le cas, 371 litres de chargement, sans compter que les sièges peuvent être rabattus 60-40. On vient de faire un survol rapide de deux versions de Corolla que j'aime beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous présenter une berline que j'affectionne particulièrement, la Corolla Nightshade. Ce qui distingue l'édition Nightshade côté esthétique, c'est l'aileron, les poignées de porte, les jantes en aluminium, les bas de caisse, les couvercles de rétroviseur, la calandre avant, ainsi que l'emblème Toyota, tous noirs lustrés. Côté pneumatique, la Corolla Nightshade reçoit des pneus 18 pouces. Notons que les freins sont à disque aux 4 roues et que la suspension est indépendante. À l'intérieur du véhicule, il y a plusieurs choses qui sont super intéressantes que j'aimerais vous parler. J'aimerais ça commencer par la sécurité. La sécurité, le véhicule est entre autres équipé de 10 coussins gonflables. Alors, 10 coussins gonflables, c'est impressionnant pour le segment. Il y a aussi, en plus, un service qui appelle Safety Connect, que vous serez pris en charge si, malheureusement, on ne le souhaite pas, mais il y a un accident et qu'un coussin gonflable soit déployé, bien, automatiquement, vous allez être pris en charge par un agent qui va envoyer les services d'urgence sur place. Alors, toujours du côté sécurité, sachez que la Toyota Corolla, l'ensemble de la gamme est aussi équipé de la suite Toyota Safety Sense 2.0 qui inclut un système pré-collision avec fonction de détection des piétons et des cyclistes. On a aussi les phares de route qui vont gérer automatiquement les hautes et les basses le soir. Un système d'alerte de sortie de voie avec assistance à la direction et détection des bords de route. Un régulateur de vitesse dynamique à radar à gamme complète de vitesse. Et pour terminer, un système d'aide au maintien dans la voie. Pour les amateurs de technologie, c'est un véhicule vraiment au goût du jour. À commencer par le système Apple CarPlay qui s'active automatiquement aussitôt votre téléphone connecté. Aussi, côté très pratique, il y a un chargeur à induction pour charger votre téléphone. Sachez qu'avec l'application Toyota, vous pourrez rester connecté à votre véhicule en démarrant votre véhicule à distance, en verrouillant, déverrouillant votre véhicule à distance et une multitude d'autres options. Dans cette version Nightshade, ce véhicule est équipé d'un volant chauffant, gainée de cuir, volant ajustable ainsi qu'un changement de vitesse à palette. Alors, merci tout le monde. J'espère que la présentation de mes coups de cœur de la famille Corolla a pu vous en apprendre davantage sur ces modèles. Si vous avez aimé ce genre de contenu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube et nous suivre sur Instagram et Facebook. Encore une fois, merci et à la prochaine.